وإنا إن شاء الله لمهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد قاتم النبيين وإمام المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et sœurs du monde entier. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui notre topic c'est avec Niger. Assalamu alaikum nos frères et sœurs du Niger. Assalamu alaikum. Et Allah subhanallah wa ta'ala qui a dit dans son Coran Karim: Qul huwallahu ahadun Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mes frères et sœurs, Allah subhanallah wa ta'ala nous aime. Allah subhanallah wa ta'ala nous a choisi d'être musulmans. Allah subhanallah wa ta'ala a tout fait pour nous. Regardez le soleil, regardez la lune, regardez la journée et la nuit, mes frères et sœurs. Ça c'est du rahmat de Allah subhanallah wa ta'ala. Je vous invite mes frères et sœurs de rester avec l'islam, pratiquer l'islam inshallah. Il ne faut pas suivre d'autres personnes qui ne s'intéressent pas sur le thème de l'au-delà, qui ne s'intéressent pas à Allah subhanallah wa ta'ala et de son prophète. Mes frères et sœurs du Niger, restons avec Allah subhanallah wa ta'ala et son prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanallah wa ta'ala a dit dans le Coran: Inna Allah la yasabidhallamin lil abid, Inna Allah la yuhibbul kafirin, Inna Allah la yuhibbul zalimin, Inna Allah yuhibbul muhsinin, Inna Allah wa razaqu dhul quwwati matin. Mes frères et sœurs, restons avec sabar, restons avec sabar. On ne doit pas regarder ce que les autres ont et qu'on dit notre pays est pauvre, on va faire des mauvaises choses. Restons forts, on est sur le chemin d'aller à l'au-delà. Donc il faut être fort avec Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être fort avec notre prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, c'est à cause de ça il nous a fait des musulmans. Donc restons avec notre religion. Il faut jamais changer, il faut jamais changer. En plus il faut faire dawah, il faut faire dawah, il faut rappeler nos frères et sœurs, il faut qu'on prie, qu'on donne notre zakat, qu'on fasse le ramadan, qu'on fasse le hajj. Il faut qu'on reste avec notre dîn inshallah mes frères et sœurs. Là on appelle à tous nos frères et sœurs qui ne sont pas musulmans au Niger pour qu'ils rejoignent l'islam, parce que la vérité c'est l'islam. Il n'y a aucune autre religion qui est acceptée avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. C'est l'islam seulement qui sera accepté. L'islam c'est la paix. Mes frères et sœurs qui ne sont pas musulmans au Niger, venez, venez, venez vers la paix. L'islam c'est la paix. Venez, venez. Wallahi billah, vous serez sauvés inshallah mes frères et sœurs. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On va faire un bon doigt pour nos frères et sœurs du Niger, que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'il leur guide inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah subhanallah wa ta'ala, on te demande de nous pardonner et de pardonner nos frères et sœurs du Niger. On te demande de nous guider et de guider nos frères et sœurs du Niger. On te demande de nous faire rentrer dans ton paradis et de faire rentrer nos frères et sœurs du Niger dans ton paradis. Ya Allah subhanallah wa ta'ala, pardonne nos péchés, c'est notre Seigneur l'unique qu'on prie. Ya Allah subhanallah wa ta'ala. Amin. Wa zakallahu.